Va jouer au petit Champlain. OK. C'est bon. Hey, c'est magnifique. Prenez le 50. Pourquoi tu l'as pas vu? Celui-là, monté là, je suis pas sûr. Là. Ouais, je vais regarder, je vais essayer de chercher une tire. Je prends la. Hey! Un trou 6 à foule, s'il te plaît. Un trou 6 à foule, s'il vous plaît! Ok, je suis prête là. Ok, il va. Ah, il fait tourner, il fait rentrer le monde. Ok, go. Tu peux me l'enlever. Je sais pas si tu travailles sur quoi là présentement. On travaille sur quoi là, là? En premier lieu. Sur le in-ear? Plus d'équilibrer ton son de casque sur la scène. D'accord. Le pétard vient d'embarquer, hein? Oh yeah! Oh yeah! Ça, c'est la scène! Ça, c'est le. Mais c'est un rythme qui est lui, bon. Là, c'est un rythme. Ça, c'est un reverb, mais beaucoup plus long. Mais, oh, il y avait pas de. Oh mon Dieu, Seigneur! Oh oui! Fait que. On va les ajouter pareil. Que ce soit c'est parfait. C'est du ce qui reste, là, ben, on va attendre qu'ils finissent. Parce que c'est là, parfait. Fait que moi, je vous attache là, puis. Moi aussi. Ben, tu veux qu'on fasse tout de suite? Santa Maria! Hors contexte, là, c'est extraordinaire, hein? Merci de vous arranger avec mon spaghetti, monsieur! Du spaghetti. Ça, c'est avec vous autres que j'ai appris à rouler ça. Elle a été flabbergastée. Elle a été flabbergastée? Oh mon Dieu, Seigneur! Oh mon Dieu! Elle est rendue dans la bébelle en offre, lui, là. On va le chouette, tout ce qu'il faut. Tu trouves des gros doigts? Avec la main en bas. Ah, t'es hot! Allez. C'est toi qui le fais ton chemin. Moi, j'ai tout le temps dit, il y a autant de faire, il y a autant de manières de faire ce métier-là qu'il y a de monde qui le font. Parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides par où tu passes. Ça rentre pas là, tu veux rentrer pareil, ben gars, va pour ta côté, va en avoir un autre qui va s'ouvrir, tu sais. Fait que. À un moment donné, tu vas revenir. Puis... Ouais. Ça, c'est le truc du double menton. Du brun. J'appelle ça mon petit pélican. Je cache mon petit pélican. Ça, là, je la fais sur scène, là, puis je le sens dans la salle.
il a envie de la faire, là. Ouais. Depuis le début, ce numéro-là, depuis le début, qu'il fait « Oh, moi, ce number-là! Oh, moi, ce number-là! » Ouais, fait que je pense qu'il a, il pogne des buzz, là, d'acteurs, tu sais. Mais il dit « Je jouerai pas avec n'importe qui. » Il dit « M'écrire quelque chose, et dit « C'est avec toi, je voudrais jouer. » C'est fun. C'est le fun de travailler avec du monde de même. Tu sais, Alex, là, moi, je peux rien demander de mieux, là. J'ai vraiment... le top des metteurs en scène que je pouvais avoir là, pour ce show-là, là, c'est vraiment extraordinaire. Alors que si je disais Normand, le gérant ou t'sais, le coproducteur, non, c'est parce que garde un show aux trois semaines, je peux pas m'en virer folle. Il fait, ben oui, mais là. Fait que là, j'ai Alex à côté qui fait, oh, oui, Norm, écoute, garde. La fille est bien, bien équipée. Très, très, très bien équipée. Franchement, là. Me considère bien chanceuse. Ça aussi, hein, ça fait pour beaucoup. Les gens qui t'entourent, là, ouais. Oh, c'est énorme. C'est plate dans un sens parce que tu te dis, il y a plein de monde qui ont du talent, comme ça se peut pas, mais qui seront jamais connus ou reconnus parce qu'ils n'auront jamais l'équipe en arrière d'eux. Man, je veux quelqu'un comme lui. J'avais déjà l'idée de faire le One Woman Show. Puis je me disais, je veux quelqu'un comme Normand Piché, je veux quelqu'un comme Normand Piché pour travailler avec moi. Finalement, mais j'ai pas quelqu'un comme, j'ai le Normand Piché. Fait que je m'en plaindrai pas pantoute. En fait, je chantais faux. Quand j'ai commencé à chanter dans ma vie, je chantais faux. La première chanson que j'ai appris à chanter vraiment... c'est l'escalier de Paul Piché. Dans le temps des fêtes chez nous, je peux pas partir sans la chanter. C'est le genre de tune là, que toute ma famille, tout mon monde, c'est chante-nous l'escalier. Puis je le fais toujours à capella. Ouais. Hé, hey, j'ai la peau d'allure. Regarde qui ont, là, ça se peut plus à un moment donné. Là. Mais c'est vrai que t'es sur le long, par exemple. Ouais. C'est malade. C'est les tiens? Ouais. Crée-moi, je l'ai mis. Il y avait une fille sur un show, c'est le Five Women, ma chum Sergine. Elle se mettait du fossile là-dessus, mais ils s'en mettaient tout, tu sais. Mais Sergine, elle se mettait une paire de fossiles, là. Ça avait plus de bon sens, ça y tapait quasiment jusque dans le front. Puis là, je mettais mon mascara. Je me mettais à la face dans son miroir à côté d'elle. Je faisais, pis, mes fossiles sont-tu corrects? C'est bon. Va-t'en, va-t'en, m'a te frappé. Mais j'ai cœur les autres, tu sais. Est-ce que tu peux ouvrir les lumières, s'il te plaît? Oh! Bonsoir! Bonsoir!
fait, on est très, très satisfaits du spectacle. C'était vraiment intéressant, divertissant. Elle nous donne une bonne leçon de vie, je trouve. Très belle leçon de vie. Cette madame est une madame extraordinaire, pleine d'émotions et nous amène beaucoup à penser. Elle est très bien. Bon spectacle. Alors bonsoir, moi j'ai adoré Amélie, je la reconnais telle qu'elle est. J'ai travaillé avec toi Amélie, avec Richard Pucci au manoir de Bleury de Boutillier. T'es exactement ce que t'as toujours été, puis t'es adorable, je t'adore, t'es magnifique. Et reste comme que t'es, on t'aime comme ça. Je t'embrasse ma belle. Ben moi, ça m'a beaucoup touchée. C'est vraiment venu me chercher parce que je suis moi-même une artiste. Il y a vraiment des hauts et des bas dans cette carrière-là. Et puis, je savais pas du tout à quoi m'attendre en venant ici ce soir. Et puis, vraiment, je me suis sentie moins seule. C'est vraiment un métier extraordinaire, mais en même temps, c'est un métier qui est difficile. C'est un beau métier. On vit toutes sortes d'émotions. Je l'ai trouvée super extraordinaire puis très transparente et c'était beau de voir toutes ces émotions-là mises à nu. Amélie, bravo, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ton spectacle. Là, je suis encore dans l'émotion un peu, donc merci de cette ouverture-là. Moi, je la connaissais pas du tout, j'ai adoré le show. C'est une personne qui est très proche des autres, j'ai adoré. Ben, moi, c'est vraiment super bonne, un super show. Sincèrement, je suis comblée. Elle est magique, tout en plein d'humanité. C'est incroyablement beau. Ouais. L'histoire, de son histoire à elle, on passe forcément à la nôtre aussi, à quelque part. Donc ça, c'est obligé que Amélie égale se retrouver en elle à chaque fois. Donc un gros bonheur. Merci ma chérie. Je t'aime fort pour ça. Continue et go, 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 lâche pas. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un show rempli d'émotions, vraiment humain. C'est vraiment, Amélie est super sur scène, puis je suis vraiment contente de voir que quelqu'un comme elle ose parler de ce qu'elle a vécu et toutes les différences qu'elle a supportées, parce qu'elle vraiment mérite tout le succès et encore bien plus que ça, vraiment. Et elle a passé tous les sujets, ils ont passé la prostitution, la danse, les critiques de la famille, etc. Alors, j'ai bien aimé ça. Moi, ça me donne l'espoir pas mal, même pour moi-même, là. Puis son côté aussi, là où elle parle de la grosseur, c'est vrai que c'est une phobie pour la femme. Puis elle démystifie ça, alors c'est très bien. J'ai bien aimé. Bonsoir. Ah, c'était une surprise magnifique! Ouais, moi aussi, vraiment! Ah, merci! C'était excellent! Elle est magnifique et c'était très intense. C'est bien? J'ai pas regardé à bonne place.